La Traviata de Giuseppe Verdi, c'est un opéra classique en trois actes qui te plonge dans une vibe passionnée et tragicomique de Violetta Valeri, une courtisane très stylée de Paris au XIXe siècle. Ça démarre avec une fête de malade chez Violetta où elle croise le petit gars impulsif Alfredo German. Même avec sa réputation de feu follet, Violetta est touchée par le petit côté sincère d'Alfredo et bam, ils tombent amoureux. Mais voilà, leur bonheur prend cher à cause des règles sociales et de la famille Germain qui met la pression et n'approuve pas du tout cette love story. Le père d'Alfredo, Giorgio Germain, supplie Violetta de quitter son fils pour ne pas entacher l'honneur de la famille. Violetta est en plein dilemme entre son amour pour Alfredo et le respect des règles, mais elle choisit quand même de faire le sacrifice de son bonheur pour le bien d'Alfredo et accepte de le quitter. Le deuxième acte, c'est une vibe plus sombre et plus mélancolique. Violetta et Alfredo sont loin, mais l'amour entre eux, il bouge pas d'un poil. Par contre, Alfredo découvre la vraie raison de la séparation, et là il commence à se faire des films en pensant que Violetta l'a trompé, et il part en vendetta, humiliant Violetta devant tout le monde. Le drame atteint son apogée dans le troisième acte, là où Violetta, en mode assez malade quand même, vit ses derniers moments. Alfredo, en apprenant la vérité sur la séparation, débarque en mode speed pour rectifier ses erreurs. Mais bon, c'est trop tard. Violetta meurt dans les bras d'Alfredo. Ils se réconcilient, hein, mais elle ne peut pas faire face à la maladie. C'est triste, non ?